zoami ebele toza na esengo ko kutana na bino lisusu mokolo mwalelo pona kolobela mayematali actualité politique ya mboka na biso République démocratique du Congo esengo ezali na ngambu na ngai parce que na minute yo tout ce que les Congolais attendaient la sécurisation du territoire national la diplomatie de Tshisekedi devrait payer parce que Batobele critiquait déjà les voyages du chef de l'État mais au jour où je suis en train de vous parler à la minute dont vous me suivez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, diplomatie naïe, les alibongo kofuta, parce que Kafuru Mwetu, les Tutsi, les Nilotiques sont aujourd'hui pris en étau par la communauté internationale qui ne jure que par des sanctions envers le régime de M. Paul Kagame. Et en plus, aujourd'hui, monsieur le président, il y a Fédération, il y a Russie, à Houthi, Koloba, comme une mise en garde vers les États-Unis, parce que a lobby très clair que ce qui États-Unis a continué, na lolenga zali ko continue bongo, ye a kobimisa manduki, pe a kope sayango, na ba pays, ou zali ko benga ba pays à tiers monde pour faire face à la dictature occidentale. L'ambassadrice ya États-Unis d'Amérique a été chassée na niveau ya prison militaire ya Ndolo, bisika Owapi, a Kendaki, ko sala ou zali ko benga l'ingérence à la dans la justice congolaise, même si nous-mêmes nous critiquons notre justice, qu'elle est malade, mais cela ne donne pas la possibilité ou soit les droits na ambassadrice y a États-Unis d'Amérique d'aller donner des injonctions aux juges au niveau y a prison militaire y a Ndolo bisika Owapi le sujet américain complice y a coup d'État Oyo et Outaki Kosalema Oyo et Outaki bah Mekaki Kosala plutôt OP et Simbakite et puis bah sujet américain qui ont été arrêtés interrogés par les OPJ et que Mukolo Yalobi vendredi il y aura ainsi l'audience publique na niveau il y a prison militaire Yandolo la pression qui est en train de monter la réaction à quelques minutes après il y a ambassadeur il y a Russie accrédité la République démocratique du Congo, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, là où les forces armées contrôlent la cité de Kanyabaonga, nous allons aussi en parler et surtout ces frappes chirurgicales dont les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de frapper le M23 qui sont en train de prendre une débandade totale et la plupart, une centaine d'ailleurs, des corps juste par terre et une dizaine de arrêtés. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans votre numéro de décryptage de l'actualité politique. Jeff Badibanga, communicateur de la République, à la présentation. On vous demande juste de liker notre vidéo, de la partager et surtout, vous allez nous excuser, il y a commenter, pe kokomela biso, oyo. Vous allez point de vue nabino par rapport à l'actualité au Yézali Bongo, au Leka, la République démocratique du Congo. Je vous disais, mes chers compatriotes, que Makambo Tobandaki Koloba, si gestion au Yoba Congolais, Tobandaki Ko Sigéré, y a comment na mapinga na biso kokota na Moussala. Ya komona arme na biso kosala musala nango lolenge oyo elongo bani. Ya komona alima ezonga na administration militaire. Ya komona ke dans la police, dans le renseignement et dans tout le service sécuritaire, qu'il y ait un peu de l'ordre qui soit rétabli. Tous on a décrié oyo esalemaki et pas ya monsieur Christian Malang. Christian Malang, azalaki moko ya ba Congolais, recherché par le renseignement militaire, qui s'était rendu aux États-Unis d'Amérique, qui a commencé à émettre cette idée de voir le retour aux Aïeurs, le retour na moko yo Mobutu abandeki au Kambao, azalaki moko ya dictature. Le renseignement militaire savait déjà que M. Christian Malang a bandaki ko préparé coup d'État. Vous allez voir que parmi le 182 interpellés et dont 52
bakozala na prison militaire ya ndolo mukolo ya lobi na debi ya procès à ce qui concerne les infractions ou soit ba makambo bazali ko reprocher na batwana figure quelqu'un qui est plus proche ya autre zali ko benga l'ancien administrateur général ya ANR na kati ya batoyo bazala ki déjà auditionné na niveau ya Agence nationale de renseignement na batoyo le service militaire le renseignement militaire et bandaki ko auditionné bango figure de sujet américain. Le sujet américain qui représentait leur État. Les États-Unis d'Amérique, Bazanga Sony, les États-Unis d'Amérique, sans même s'excuser de voir que le sujet américain ont été complices dans un attentat de renversement des institutions légalement établi dans un pays qui est souverain comme les États-Unis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo pour demander l'extradition de ces sujets américains et comme pour dire qu'en République démocratique du Congo, aucune institution n'est capable de juger les citoyens américains sur le sol congolais. Et que les Américains devraient rentrer chez eux. Joe Biden parle de la même histoire. Mais pourquoi ils ont procédé d'abord à coup d'État manqué wana? Je vais faire un petit rappel pour que Ngaïna Binoto Tambola sur la même lignée. Toyeba pourquoi Makambo et Nazolo Balelo, y a le Lengenini, ambassadrice aux États-Unis, ba Bengana qui est na prison militaire Yandolo. Bisiko a kende ki kosa la influence, ingérence dans l'administration et la gestion de la justice Nabiso. Vous devez retenir que le semblant de ce coup d'État a été un avertissement que les Américains avaient lancé contre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Américains et Tshisekedi ne pouvaient pas nommer le gouvernement sans qu'il y ait dialogue. Tshisekedi ne peut pas partir au front sans qu'il y ait négociation avec le M23. Pour les Américains et la communauté internationale, Tshisekedi devrait d'abord négocier avec le rebelle du M23 avant toute sortie du gouvernement. Parce que, bango babande ki okanisa ki soki négociation et salemi, soki bakeyi na dialogue, quelques cadres du M23 pouvaient rejoindre le gouvernement et quelques militaires, ceux qui s'occupent du section militaire, il y a Alliance Fleuve Congo, pouvait également réintégrer l'armée congolaise. Donc, le même plan qui a été utilisé depuis Joseph Kabila, c'est le même plan qui a été pérennisé par ce genre-là pour que Tshisekedi azala toujours coincé quelque part dans haute Zali Kobenga infiltration. Voilà pourquoi lorsque Tshisekedi a décidé d'outrepasser, malgré la pression qui a été mise sur lui, vous savez que depuis l'Angola, depuis Nairobi, il y a eu des pressions qui ont été mises sur Félix Tshisekedi pour que Tshisekedi accepte de négocier avec le rebelle du M23. Et Tshisekedi, sa position a été claire. Alobaki qu'il ne négociera jamais avec le rebelle du M23. Alors, l'avertissement que les Américains battent qui pour Basala avant sortir à gouvernement, c'était de faire voir à Tshisekedi que ceux qui ont boyé Kosala nous allons renverser son régime. Et l'avertissement était venu par Christian Malang et certains sujets américains. Dieu merci, nos services de sécurité ont réussi à neutraliser ces gens-là. Ils ont été déterminés à arrêter le complice de M. Christian Malang. Là, je vais aussi interpeller quelque chose, parce que dans l'intervention militaire, il y a quelque chose qui doit être dit. Regardez, Christian Malang a été neutralisé vivant. Il a été arrêté vivant, mais l'ordre a été donné pour qu'il soit abattu. Pourquoi abattre Christian Malang alors qu'il était le meneur des troupes?
Pourquoi battre Christian Malang? Parce que c'était qui, celui qui était le cerveau moteur. C'était pour effacer les traces. Il y a Oyo Christian Malang, Bayokanakina Américain, Bayokanakina ba certains politiciens, Bayokanipena certains membres, il y a ba service, il y a sécurité, Nabisso, notamment M. Jean-Jacques Ondo, qui est aujourd'hui arrêté et qui sera devant la cour Mukolo, il y a lobby vendredi. Ainsi, mes chers compatriotes, vous comprenez directement que l'avertissement dont les Américains pour faire peur à Félix Tshisekedi a été anéanti en République démocratique du Congo. Et comme Tshisekedi a étouffé, il n'a pas écouté Oyo Américain Bandaki Koloba, il a été décidé autrement de s'ingérer maintenant dans la gestion Yambo Kanabiso. Voilà pourquoi les Américains basali méditer les sanctions contre le président Tshisekedi, ce qui le sujet américain basambisi bango au Congo. Voilà pourquoi vous avez l'ambassadrice ya États-Unis d'Amérique, elle était partie na prison militaire Yandolo. Pourquoi était-elle partie na prison militaire Yandolo? Pourquoi? Parce que Kuna, les auditions sont en train de se faire. On est en train d'auditionner Christian Marcel Malang. Moi, naya Christian Malang. On est en train d'interroger ou soit d'auditionner deux sujets américains qui étaient membres effectifs et cerveau moteur ya coup d'état raté wana. Vous devez savoir qu'il y a eu un Américain qui gérait les drones au Yabandaki Kozoba Image, au Yuzalaki, la cité de l'Union, dans la carte, il y a parlé de la nation. Et vous savez que le drone au Yuzalaki Wana était relié directement dans le satellite Yabaméricain. Donc, la cartographie, il y a parlé de la nation, dans la ville Wana Yagomé, ou soit la commune de la Gomé, toutes les choses ont été déjà prises du côté des services intelligents. Aujourd'hui, ces gens cherchent à ce que va contraindre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bazali Koluka, comment est-ce qu'ils peuvent sanctionner Félix Tshisekedi? Parce que plusieurs solutions, options qui ont été élues de leur part, Ezali Kosalemate, parce que la détermination farouche du président Tshisekedi, Ezali Kometra Bango en débandade. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, cette ambassadrice était partie pour dire aux juges qu'ils doivent arrêter avec les auditions des sujets américains. Or, lorsque nous regardons les choses comme ça se passe, vous allez voir que lorsqu'un Américain arrive au Congo, il est signalé à l'ambassade. L'ambassade sait ce que ce sujet américain est venu faire. L'ambassade a yebi que Moutouana Kosala Mikolo Boye sur le territoire national. Ça veut dire que tous ces Américains qui sont entrés sur le sol congolais, ils ont été identifiés à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et que Makambo Bango Bayaki Kosala, ça a été connu d'avance par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ainsi, sa présence na prison Yandolo et pesa ki na bazuzi na biso ba militaire kanda makasi de telle sorte que elle a été chassée de la salle d'audience. Elle a été chassée. Batalité que non, c'est l'ambassadrice ya États-Unis. Batalité que non yé nazali boye. Non, elle a été expulsée, chassée de la salle d'audience. Les Américains doivent être jugés ici. Ils ont pris les armes contre l'institution président de la République. Ils ont saboté le bureau du président de la République. Qu'est-ce qui pouvait arriver aux Congolais? Oh, il y a un copier qu'on coûte à Tina Maison Blanche pour faire le bêtise. Oh, l'Américain, c'est là qui n'a parlé de la nation. La dame, l'audace qu'elle avait pris, elle a retrouvé en face d'elle de véritables Congolais, de pères et de mères. Oh, bah, il y a que ici, c'est au Congo. Nous ne sommes pas une province des États-Unis. Madame, vous devez être dehors. Ce qui Bozali Kokanisake, ces Américains, Bazali, bah, innocents, il n'y a qu'une seule chose à faire. Allez chercher les avocats. Vous êtes parmi la grande puissance. Cherchez les meilleurs avocats qu'ils viennent défendre vos frères, vos sujets américains. D'ailleurs, un défenseur des droits de l'homme international a lobby avec le PREV, oh, ils allaient na maboko ya justice na biso militaire, moyen ils allaient te y'a pas obtenir
ata oyo tozali kobenga liberté provisoire ezalité. Voilà pourquoi mes chers compatriotes, lorsque madame Lissi Tamley oyo azali ambassadrice ya États-Unis asali buzoba oyo ye asalaki wana, la réaction directe ya oyo tozali kobenga monsieur Alexis Tambor, l'ambassadeur russe oyo azali accrédité en République démocratique du Congo, c'était pour répondre à madame Lissi Tamley oyo azali ambassadrice ya États-Unis, a lobby d'une manière claire et nette que face à l'évolution de la politique mondiale, face à l'évolution, il y a ma position géopolitique et surtout la gestion, il y a Russie, où il y a Zali Kokamba, le groupe de BRICS, la Russie veut élargir le dialogue avec la communauté internationale et surtout avec ses partenaires. Puis à l'origine, le partenaire de la Russie, la plupart viennent de l'Afrique. Et pour conclure, Malobanaï à l'obi, malgré ma partenaire au Bazo en Afrique, mais les partenaires, le clé, ou soit partenaire clé, il y a Russie, Azali, République démocratique hein, du Congo, Oyo Tozali na kati ya commettre le dernier réclage na Oyozali kota la coopération militaire. Et puis Bolandi, na niveau ya Cameroun, on annonce déjà que ma paramilitaire russe basali déjà dans la République démocratique du Congo. Et moi, je vous avais annoncé l'arrivée des 5000 soldats russes. Regardez aujourd'hui, ça commence à faire peur dans ma détracteur. Ça commence à faire peur au Rwanda. Le Rwanda maintenant, lorsque Azali Kota là que la Russie s'oppose aux États-Unis d'Amérique et Vladimir Poutine, Tangou Alexis Tambor va lobby, Vladimir Poutine sort de son silence. À lobby, je menace les États-Unis. Ce qui va dire qu'on continue à bouger dans la République démocratique du Congo, je serai dans l'obligation de distribuer les armes aux pays des tiers monde pour faire face à la dictature des Américains. Donc, Machezali Yakobaluka, voilà pourquoi même eux-mêmes, les États-Unis, avec le preuve aujourd'hui qui sortent, il y a dans l'enquête, il y a un journaliste qui a soutenu le Rwanda. Le département d'État américain en charge des affaires étrangères, ils ont dit que Kambamana Anthony Blinken a béni M. Kagame pour lui dire que monsieur, nous sommes désolés, on ne peut pas continuer à soutenir le Rwanda. Chaque contribution, ou soit ma makamoto, ma neki kopé sa yo chaque fin de l'année, to koki kopé sa yo yango li sou souté, parce que le preuve o ye outi kobima, et zo la ki sa que le Rwanda ne respecte aucunement le droit de l'homme. Vous voyez maintenant, voilà pourquoi na début je vous ai dit, le déplacement de Tshisekedi, le voyage de Félix Tshisekedi, ça commence à porter les fruits. Tout ce que Tshisekedi a dit, voilà même pourquoi l'interception y a conversation. Oyo ya monsieur Kagame, nande konaye o azali ko résider na Angleterre, celui qui l'a aidé à trouver, à conclure cet accord. Il y a bato tozali ko benga ba migrants européens oyo ba koya na Rwanda, donc ba terroristes wana ba tiana ka bato ba bombe ba sala ka boye ba ya na Rwanda, et le Rwanda avait prévu de les installer dans le Kivu, bisiko yo bango ba américain bazali koloba yete le Kivu appartient déjà au Rwanda. Regardez maintenant que Paul Kagame reste seul. Il dit à son frère qui est en Angleterre que Tshisekedi oyo to sous-estima qui azali bango ko talisanga que la fin de mon régime est proche et que tout ce qu'on avait minimisé, les lotos azali comment que on a commis une faute grave. On a minimisé Tshisekedi et aujourd'hui on se rend compte que Tshisekedi est en train de mettre fin à notre régime. Et ceux qui suivent l'actualité politique savent qu'au moment de la campagne, le chef de l'État avait dit na terrain Sainte-Thérèse à l'Obaki que j'ai promis à Paul Kagame la fin de son régime. À l'Obaki qu'il va mettre fin au régime de Paul Kagame. Regardez maintenant sur le plan international. Le Rwanda est délaissé par tout le monde. Même les États-Unis ne peuvent pas soutenir aujourd'hui le Rwanda. Ils sont incapables de soutenir le Rwanda.
Tout le monde comprend aujourd'hui que soutenir le Rwanda, c'est partir à l'encontre. Il y a traité international où ils ont dit que chaque pays doit protéger les droits de l'homme. Le droit de l'homme doit être applicable. Et qu'aujourd'hui, au Rwanda, il y a Tipolele par la Belgique. Comment Vincent Karega, l'homme à tout faire, il y a Paul Kagame, à Bandaki Koboma ba opposant, il y a Kagame, Libanda, il y a Rwanda. Au Rwanda, tu ne peux pas parler contrairement à Maloba, Oyo Kagame, Azali Koloba. Ce qui est au Meki Koloba, le contraire. Donc, 48 heures, Ezali et Bélé. Ce qui est au Kéi Bolo côté, va retrouver yo mort. Tous ces éléments-là se rassemblent aujourd'hui avec tous les autres images, éléments que Tshisekedi a présenté au Conseil national de sécurité. La Russie menace de sanctionner le Rwanda d'un embargo. Maintenant, là où ça fait peur, au Bomoni, la Maison Blanche et Kéi ko salié na autres Ezali ko benga Kenya, Ezali pambate, mes chers compatriotes. Bake ko salier na Kenya parce que baebi que le Kenya et le Rwanda bazaba tumoko, ce sont les Tutsis, ce sont des nilotiques bakotika moningate bakoya po basungaye. Voilà pourquoi ba ça la stratégie de faire le Rwanda ou soit le Kenya plutôt un pays stratégique oyo et ko traité na États-Unis awana Afrique. Pourquoi? Ils ont vu que ceux qui bali ko continuer na Rwanda lenge Rwanda qui ko traité na Rwanda comme partenaire privilégié, le meilleur allié des États-Unis en Afrique, et ils auront fort à faire avec la Russie qui est en train de s'installer en République démocratique du Congo. L'installation de la Russie en République démocratique du Congo, cela trouble la communauté internationale. Talana nous menace Vladimir Poutine à ça. A lobby que ce qui États-Unis a continué Bongo, il va distribuer les armes. La guerre mondiale, troisième, est causée à la Awa, la République démocratique du Congo. Retenez ce que je vous dis, la guerre mondiale, la troisième, est Kobanda Awa, la République démocratique du Congo. On est en train de prouver à la communauté internationale qu'avec l'amour, avec la détermination, les Congolais peuvent faire mieux que les Kabango. Aujourd'hui, pas question de nous dicter Maloba, Oyebino, Bozali, Nango, Posa. Pas question de prendre des décisions et Zali Kouta Nabino. Bisomoko, Toyebi, ba problème au Tozali Nango. Et on connaît les solutions appropriées à ces questions-là. Donc, personne ne peut venir nous dire que ici, beaucoup qui vont la boyete, awa beaucoup qui vont la boyete, awa beaucoup qui vont la boyete, et Zali Lokuta Monene. C'est que les Congolais doivent retenir la minute où Zali Nini. Les États-Unis d'Amérique sont en train de tomber. Babylone la Grande, Ezana Katia Kokoya. Kokoya ya États-Unis d'Amérique et Outinde na République démocratique du Congo. Pendant qu'on leur avait donné 5 ans, il y a partenaire privilégié, Batikala Kosale Loko Mokote na République démocratique du Congo. Aujourd'hui que la République démocratique du Congo tourne le dos, na yebisibino la présence des paramilitaires russes. Je vous avais parlé de 5000 militaires russes. Vous avez vu aujourd'hui que les Amkoto, le missile sud-africain dont je vous avais parlé, ont commencé aujourd'hui à mettre en déroute le rebelle de l'autre côté. Ça me permet même d'entrer dans le dernier point de mon émission qui parle de la situation sécuritaire au niveau de la commune rurale de Kanyabaonga. Mes chers compatriotes, si le Rwanda est fort, tel que les gens veulent le dire, si le Rwanda, l'Ouganda, les Kenya sont forts, tel que les gens veulent le dire aux yeux de la communauté internationale, ils doivent à ce moment-ci prendre Kanyabaonga. Regardez comment ils sont neutralisés, regardez comment ils sont en train de tomber, regardez comment on est en train de les tuer, regardez comment nous sommes en train de les arrêter. D'ailleurs, au niveau du Rwanda, le deuil est du Rwandais. Le deuil est devenu un pain quotidien du Rwandais. Bah, Rwandais, bah, lui, qu'on est là. Et même au niveau du Rwanda, on interdit aux Rwandais de faire le deuil de militaires qui sont tombés à l'est de la République démocratique du Congo. À 10 km de la commune rurale de Kanyabaonga, ils ont été neutralisés. Lorsque je parle de la neutralisation, ça veut dire qu'ils ont été tués. Ceux qui ont été arrêtés ont été au nombre de 77. Une centaine ont été neutralisés, tués, dont des officiers supérieurs de l'armée rwandaise qui ont été
installé ou soit affecté à cette histoire des opérations de l'Est de la République démocratique du Congo. L'alerte, je la donne chaque jour. Attention, parce que le mode opératoire de rebelles du M23, on est en train de le mettre en marche. Le mode opératoire, je vais dire quoi par là? Le M23 veut aujourd'hui recruter ceux-là qui sont aux commandes des opérations. Les opérations, les opérations vengeance, ce sont les opérations qui ont mis en déroute le rebelle du M23. Et comme dans leur habitude, ils ont toujours cherché quelques-uns d'entre nous, des complices, des traîtres assoiffés d'argent pour les corrompre afin de vendre les positions Yamapinga Nabiso ou Bazali Kobunda au front. Mais na minute yoyo, depuis levé à moratoire et salement, et que les infractions ont été menées batou na peine de mort, basi batia yango, on a dit fuite devant l'ennemi et Zali Bongo ou Zali Kobenga ça constitue l'infraction ou Yoyo na peine de mort. Vous avez vu na niveau ya Kanyabaonga, ils ont essayé de faire le repli stratégique, ya Kozwa Bachar et Zonga. Lorsqu'on leur a dit, oyo bozali ko sala wana, vous vous donnez à la peine de mort. Moutoyo a mekake ko sala repli stratégique, na niwa Kanyabaonga, oyo ba IM23, bazwa ki même les images pour le balancer sur les réseaux sociaux. Regardez que le M23 n'était pas Kanyabaonga. Mais lorsqu'ils ont essayé de donner l'ordre aux forces armées de retirer les chars de Kanyabaonga, on a vu les images filmées et publiées par le M23. Donc, ils avaient les complices au sein des officiers qui dirigeaient les opérations à niveau de Kanyabaonga. Et lorsqu'on leur a dit ce que vous êtes en train de faire, vous vous exposez à la peine de mort. Ainsi, ils ont été identifiés. La plupart d'entre eux ont rejoint l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nanga, notamment ces officiers-là que vous avez vu être présentés par la coalition Yaba IM23. Ce sont les gens qui ont été identifiés comme le pion ya M23 na niveau ya Kanyabaonga, et ce sont eux qui avaient donné l'ordre à ce qu'il y ait repli stratégique, et ils ont pris les images de chars. Comment est-ce que Bachar Ibandaki Kolonga Kanyabaonga pour envoyer aux rebelles du M23 afin que le M23 puisse entrer et prendre Kanyabaonga sans aucun combat. S'ils sont de garçons, s'ils sont bazamiban, bayato bunda zoto na zoto, batika distraction. Aujourd'hui, l'armée, il y a l'œil qui est ouvert plutôt, pour suivre qui est qui. Les opérations sont en train d'être menées d'une manière professionnelle. Et l'armée congolaise aujourd'hui, on ne peut pas nous accuser de violer les droits de l'homme, parce que j'ai vu le militaire, le gouverneur militaire, Peter Sirimwani, aller parler aux Wazalendo au front pour leur rappeler les droits de l'homme, pour respecter les droits de l'homme. Et le M23 ont essayé de couper une partie de cette vidéo pour manipuler la communauté nationale, pour dire que Sirimwani est contre les Wazalendo. Zokane Zalaki Maman à l'Okuta Monene. Sirimwani était parti avertir les Wazalendo que Ndenge Bozabo et les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale Bazali Kolinga Binoté. Alors, Bosa la Keba, Boyeba que les droits de l'homme existent dans les opérations que vous menez conjointement avec les forces armées de la République. Pensez au respect, ya Oyo, Tozali Kobenga, le droit de l'homme. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent faire, nous sommes les alliés, Pamba, une détermination, cette symbiose qui existe entre les volontaires pour la défense de la patrie et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la mission de la SADC, aujourd'hui, est en train de porter ses fruits. Plusieurs morts, plusieurs arrêtés, plusieurs rescapés, plusieurs bibembe. Oye koki koko talisu sur Rwanda te, pokuna, ba pekisi batu, ba koki lisusu kolelate. Voilà la situation. Ya makambo yo, na yela kibino, mukoloma lelo, na manaka na binu ezali kolobela. La situation, ya bandeko yo bakangami, na niveau ya prison militaire, bo bengani ambassadeur, ambassadrice ya États-Unis, la réaction de la Russie, la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Communicateur de la République, Jeff Badibanga vous retrouve à tout à l'heure pour un nouveau numéro. Ciao.